Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus, et nous voici sur les Jeux du Cygne pour une petite présentation. Alors, première fois que je fais une vidéo sur les Jeux du Cygne, je suis heureux d'être là. Le Cygne a eu la chance d'avoir une clé pour ce petit jeu hors pair qu'est Gladiator Guild Manager, et il m'a demandé de vous le présenter, donc je le fais avec très très grand plaisir, merci de m'accueillir parmi vous. Alors, on parle d'un petit jeu indépendant qui a été développé par le studio d'Entertainment Forge. C'est un jeu de simulation, de stratégie. Alors, il y a du temps réel, il y a du tour par tour. Le temps réel, c'est pour les combats. Le tour par tour, c'est, on va dire, plus pour la phase de campagne, en quelque sorte. C'est un jeu qui se joue en solo. Vous pouvez rivaliser avec vos copains sur un classement lors de tournois, si vous le souhaitez, mais vous n'affronterez pas directement vos amis. Ça sera par le biais du classement. Le jeu n'est pas compatible manette, même si on peut voir que dans les réglages de raccourci, il y a des réglages pour des joysticks. Mais a priori, sur Steam, il n'est pas considéré comme compatible manette. Il a énormément de langues disponibles, dont le français, heureusement pour nous. Et on est sur du petit jeu. Le prix officiel est à 8,99€. Donc on est sous un jeu en dessous de 10 balles. C'est quand même pas mal. Donc, il a été traduit en beaucoup de langues. Anglais, portugais, espagnol, coréen, japonais. On a le français, fort heureusement pour nous, et on va commencer. Alors dans le jeu, il va y avoir deux modes de jeu. Le mode campagne, avec des arcs narratifs, qui sont quand même assez intéressants. Ouais, intéressants, qui sont rigolos. Moi j'aime bien, c'est frais, il y a un peu d'humour, et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et après le mode tournoi, on se prend un petit peu moins la tête, on a 5 vies, et à partir du moment où on se perd 5 combats, donc on consomme nos 5 vies, le tournoi s'arrête, on compte les points et on rentre dans le classement. Donc le tournoi est un jeu plus rapide où il n'y a pas de phase d'attente, on enchaîne les combats. Je ne vais pas forcément vous le présenter, si jamais le début de campagne que je vais vous montrer, après vous avoir montré l'interface, se passe mal, je vous montrerai peut-être le tournoi si on se fait rincer, sinon on ne le verra pas. Mais le tournoi a toujours le même format, 3 combats, une récompense, 3 combats, une récompense. Les récompenses peuvent être soit des gladiateurs, soit des objets, soit des nouveaux gladiateurs disponibles. Ça, vous le verrez de toute façon à l'avance, en haut, sur la timeline. Donc on va se lancer sur une nouvelle partie. Quelques paramètres à faire, est-ce que vous voulez le tutoriel ou pas? Vous pouvez le lancer sur votre première partie, le jeu se prend très facilement en main, c'est quelque chose qui va être peu utile. Couleur, bleu, rouge, à votre convenance. Difficulté, la difficulté va définir votre... hors de départ, donc combien vous allez être capable de dépenser pour acheter nouveaux gladiateurs et ou objets. Et après, ça va être la courbe de progression des monstres lors des donjons. Le jeu est segmenté en donjons, je vais vous montrer ça. Je vous conseille de jouer en mort permanente, parce que sinon, quand un gladiateur tombe au champ d'honneur, tombe dans l'arène, il va avoir un délai pendant lequel il ne sera plus disponible, pendant lequel il récupère de sa blessure. Et après, il pourrait être redisponible. Mais vous ne perdrez jamais ce gladiateur et... On a un peu moins peur de les perdre, on va dire ça comme ça. Donc le dédommagement, c'est quand il meurt, combien on récupère. Là, vous pouvez le faire varier de 70 à 0. De base, le jeu le met à 30, donc on va le laisser à 30. Je vais vous faire découvrir le jeu. Alors, j'ai fait cauchemar, enfer, quoi. J'ai fait surtout enfer. J'ai fait en normal, où j'ai roulé sur le jeu assez loin. Sans me poser de questions, donc un peu plus de difficultés, c'est quand même bien, donc on va se lancer en difficile. Le reste, quand on commence à sortir en cauchemar et en enfer, faut réfléchir à ses combats, il y a des choses qu'il faut pas faire. C'est là où on se rend compte que le jeu peut nous proposer des choses intéressantes. Donc voici Slen, qui est notre assistant, avec qui on aura quelques interactions de temps en temps. C'est lui qui nous explique un petit peu comment ça se passe et... Parfois, on le voit apparaître dans les arcs narratifs avec les 3 factions disponibles. Donc, nous, on va le skipper. Je vais vous montrer directement l'interface. Le jeu est très simple à prendre en main. On a une équipe de gladiateurs qu'on va aller recruter. Donc là, on a 4 gladiateurs disponibles qu'on pourrait recruter éventuellement. Là, c'est tous les objets qu'on peut accumuler. On peut voir qu'on peut augmenter le nombre de disponibles pour les objets comme pour les gladiateurs. Ça se fera avec les bâtiments de notre guilde, emplacement gladiateur, emplacement item. Donc là, on peut voir qu'il y a des ressources pour améliorer nos bâtiments. Donc là, on peut voir qu'en bas, ça fait jouer le nombre de cases disponibles. Vos ressources sont en haut à droite. Les bâtiments, quand vous en achetez des nouveaux, c'est pour recruter de nouveaux types de gladiateurs. Et quand vous améliorez les bâtiments possédés, c'est pour augmenter le gain d'expérience
à vous de voir si ça vous semble pertinent ou pas, et quel type de gladiateur vous avez tendance à favoriser pour pouvoir les optimiser un petit peu. Les ressources vont se gagner pendant les quêtes. Les cristaux de mana vont servir à faire revenir les gladiateurs morts lorsque vous n'êtes pas en mort permanente. Évitez le cooldown. Et l'amélioration du temple permet d'augmenter la vitesse où les gladiateurs, une fois morts, vont revenir. Mais pareil, c'est quand la mort permanente n'est pas activée. Sinon, le temple de la résurrection et les cristaux de mana perdent leur utilité en mort permanente, ce qui est le cas pour moi. Donc la guilde, vous pouvez les cliquer soit ici sur la carte monde, soit ici. On a l'arène, qui est disponible en permanence et qui nous proposera toujours 4 types de combats. 1 contre 1, 2 contre 2, plusieurs contre 1 ou 1 contre plusieurs, ça dépendra. Une fois que vous avez fait les 4 options qu'on vous propose, vous pouvez renouveler. Mais on va voir ça assez vite. Et après le donjon, premier donjon, cimetière, il y a 5 combats à faire. La difficulté n'est pas très très grosse, on verra les difficultés de combat au fur et à mesure. Et une fois que vous avez réussi à rentrer le cimetière, vous débloquez le suivant. Vous n'aurez pas de fin de partie, de perdu, de défaite, ce genre de choses. En fait, ce qui va se passer, c'est que même si vous perdez tous vos combats et tous vos gladiateurs en mort permanente, hein, j'entends. Sinon, il suffit juste de recommencer un peu plus tard quand vous n'êtes pas en mort permanente, vu que les mecs reviennent. Mais si jamais vous perdez tous vos gladiateurs et que vous êtes sans le sou, eh ben pas de bol. Le jeu, vous ne pourrez plus continuer à jouer, vous allez devoir recommencer une nouvelle partie. C'est pour ça que je joue en mort permanente, c'est-à-dire que vous pouvez perdre. Que quand vous jouez dans le jeu normal, même si vous faites rincer, bah vos 4 ou vos 6 meilleurs sur les 12 par exemple, bah vous attendez un peu, ils reviennent, vous faites quelques combats à l'arène en attendant que le donjon soit redisponible, il est disponible une fois par mois, et vous y retournez un peu plus tard, un peu plus fort. Le marché des gladiateurs. Donc là on voit les différents types de gladiateurs, hein, orc, elf, donc l'archer, le berserk, et ici le chevalier, donc le tank. Ils sont affublés de quelques caractéristiques. Les caractéristiques force, agilité, intelligence vont définir l'efficacité de leurs compétences, on va voir ça. La santé, capacité à encaisser bien sûr, endurance, le nombre de compétences qu'on peut lancer, mouvement, c'est la vitesse de déplacement. Et chacun a un trait, et en fait c'est le trait qui va définir le prix, c'est pour ça que là on a quasiment que des niveaux 1, on a 7 orcs qui est en niveau 2, et ils ont des prix qui sont différents. Genre chevalier vaut 120, et il vaut 120 parce qu'il a la compétence ange gardien. Quand il meurt, tout le monde regagne 25% de santé. Alors ce genre de compétences, on va pas forcément les chercher naturellement parce que en mort permanente, on veut pas qu'il meure. Qu'en résurrection, il peut se permettre de mourir, ça donne un boost aux alliés, c'est très bien. Donc on va essayer de faire nos petits choix. Et là on peut voir que les tarifs montent quand même plutôt pas mal. Hein. Quand la santé et l'endurance du gladiateur sont en dessous de 30%, il obtient un bonus de 150% d'agilité. C'est très fort, mais si sa santé diminue, en général, c'est qu'il est au corps à corps et qu'il va bientôt mourir. C'est pas très pertinent. Solide comme un roc, le gladiateur ne peut pas être étourdi. En général, c'est mieux pour la frontline. On va éviter de dépenser là-dessus. La vache, on a combien? 550? Pas beaucoup. Donc là, souffle cramoisi. Pendant un nuage rouge, la stat principale du gladiateur augmente de 40% et recharge endurance 100% plus rapidement. La valeur de base, c'est 100 pièces d'or. Donc pour 50 pièces d'or en plus, on a un mec qui est un peu plus boosté. Le nuage cramoisi, on le verra sur la timeline, le temps est dégagé, donc la météo n'affecte pas. Il y a différents types de météo qui donnent des boosts à différentes stats. Donc ça, c'est assez intéressant. Au fur et à mesure du jeu, vous allez vous rendre compte que les traits, vous les repérez très vite et vous n'êtes plus obligé à chaque fois de cliquer pour aller voir ce que c'est. Cet esclave n'a pas de paye. Oh, c'est pas mal. On l'achète un petit peu plus cher, certes, mais on ne le payera pas. S'il reste en vie, ça peut être intéressant. Donc là, on peut voir que les archers ont 3 compétences. Les compétences, donc le tir, le coup au corps à corps et l'esquive. La plupart ont ce genre de choses. Une grosse attaque, une attaque un peu plus faible. Et après, une esquive ou un blocage de dégâts pour les corps à corps. Les du genre tir infligeant 89 de dégâts. Quand on passe le curseur dessus, on voit comment c'est, par quel stade c'est régi. Donc si on veut augmenter la puissance du tir, soit on augmente l'agilité, soit la force. Et c'est là où on se rend compte que le fait de monter certaines compétences peut être utile. L'agilité permet d'augmenter la précision, l'agilité permet d'augmenter le temps d'exécution, et l'intelligence permettra d'augmenter les temps de récupération, donc le fait de le faire plus souvent. Et c'est là où on peut commencer à imaginer des petits builds, tout en force, mixer un peu de compétences, avoir un certain seuil en intelligence. C'est le genre de choses qu'on peut se mettre à rechercher. Si on se prend pas la tête, il suffit de monter une compétence et c'est viable, surtout si on joue pas des gros niveaux de difficulté. Donc ça permet d'être en détente.
Et si vous voulez commencer à vous prendre la tête et que vous jouez à la plus grosse difficulté, il va falloir réfléchir un peu à l'importance des différentes statistiques. Là, on est en force et l'esquive, on est plutôt sur de l'agilité. On va choisir l'équipe et après, on va voir les combats. Alors, lorsque le combat commence, la stat force augmente de 30%, mais à chaque mort, elle diminue de 10. Ça, c'est pas mal. 40% d'agilité en moins, ça embête un petit peu. On frappera un peu moins fort. Et ça nous fait un peu de blocage, mais pas tant que ça. Donc là, c'est assez intéressant pour nous, parce que vu qu'on est en mort permanente, il n'y aura pas de résurrection. Ça, c'est considéré comme un négatif, donc ça diminue son prix. On va le prendre. Il perd un peu d'agilité, mais on lui demande pas d'être agile, on lui demande d'encaisser, et il nous coûte très peu cher, et ça, c'est pratique. Un berserk niveau 2, pourquoi pas. Oh, une archère qui est forte. Après, elle va pas beaucoup monter sa santé, normalement, donc on pourra pas utiliser beaucoup ce trait, et ça nous fait augmenter de 150 points son tarif de base. La stat d'agilité augmente de 50% pendant un vent violent. On va prendre ça. 370, il nous reste. Ce serait bien qu'on puisse prendre... Parfait, 300 balles. Chaque 2 de vitesse, de mouvement max, octroie sur l'utilisateur 1 de force au début du combat. Waouh! Donc là, on a plus 7 en force, grâce aux 14 de mouvement. Quand l'utilisateur bloque ou esquive une attaque, sa stat de force augmente de 10%. Et en parade... Ouais, il a quand même sa parade. Très intéressant. Là, c'est bien, on est plutôt bien équilibré. Et on va voir la boutique. À la boutique, on peut acheter deux types d'objets. Des consommables, qu'on mettra à une personne et qu'il consommera pour le combat suivant. Augmenter l'endurance de 120% pour la pomme, par exemple. Ou alors un objet qu'on garde de façon définitive. On peut le changer après, hein, mais qui gardera combat après combat. On a deux emplacements d'objets. Après un tous les 5 niveaux, et après on met le consommable en bas. Ça c'est important de le garder en tête, parce que certains combats on est obligé d'utiliser les consommables pour pouvoir les rentrer sans que personne ne meure. Toujours, hein, toujours dans cet esprit de mort permanente. Vous pouvez rename si vous le voulez, il suffit de cliquer ici. Et ça va être très bien. On va sentir un petit combat à l'arène, juste pour voir. Donc là les 4 combats, les 4 défis qu'on me propose, c'est ça. On va accepter le quelques 1 contre 1, c'est très bien. Donc une archère rang 3, donc on va mettre Jason à l'avant. Comme ça le focus va être dessus, et c'est parti. Vous pouvez mettre des points de priorité si vous le souhaitez pour forcer le focus de vos types. Putain, elle a failli nous tuer en une fois notre archère. Et en bas, je sais pas si vous avez vu, il y avait une barre disponible pour pouvoir augmenter la vitesse du combat. On récupère un consommable, et on récupère un petit peu de ressources. Donc maintenant, on va faire passer le temps. Donc là, il va passer plus ou moins vite. Tous les X temps, je crois que c'est toutes les 2 semaines, on a une mise à jour du marché des gladiateurs et de la boutique. De temps en temps, on a des promotions sur les gladiateurs ou sur les objets. Et on va avoir des événements qui vont commencer à sortir ici. Et qui vont nous proposer des missions, tout simplement. Voilà, là, on peut le voir, sans l'archère de base, sans aucune variation de stats. Ah si, il y a une petite variation de stats, un point d'agilité en plus, mais un point de santé en moins, entre les deux. Donc il y a un peu d'aléatoire sur les stats, en général on trouve plus ou moins la même chose. 10-6, 10-5, 8-8 pour 100 balles. Hop là, on continue. Tuer le colporteur, premier événement. Les événements vont être liés aux 3 factions. Et vous allez pouvoir choisir qu'un seul arc narratif. Donc il y a une des factions, elles vont vous proposer l'une après l'autre. Si jamais vous voulez pas être avec les morts vivants, vous préférez être avec la baronne ou avec les paysans, vous laissez passer jusqu'à ce que ce soit la bonne personne qui vous propose en disant « Hey, tu veux devenir mon copain? J'ai plein de trucs à te proposer. » Et là, boum, c'est bon coup. We located one of the high necromancer's rumor whisperers hiding in the village. I need you to take care of him. Alors le combat, on peut voir la difficulté 0,33, c'est vraiment facile. Hein. La difficulté 1, c'est vous êtes un peu à 50-50, ça peut devenir compliqué. On n'alignera qu'une seule personne, et on va affronter Gerbus, un soudeur. Donc là, on peut continuer de discuter, je vous invite hein, à discuter un peu avec les gens, avec les 3 représentants des factions, parce que les dialogues sont quand même sympas, il y a des petits clins d'œil, et je trouve que ça rajoute vraiment une atmosphère qui est vraiment très agréable.
Donc on va charger du combat contre le colporteur. Alors ce qui va se passer, lui, si vous cliquez dessus, vous avez accès aux compétences. Il a un blocage. Bloque les attaques au corps à corps de projectiles ou de zones pour 470 de points. Après avoir reçu 470, le bouclier en bois est détruit. Mais par contre, il frappe pas très fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... Rasash. Quand on bloque, on augmente notre force. Et on augmente notre force là. On va lui mettre le combat de la petite potion de force. Donc on va passer à 7. Ça nous permet de faire tomber son bouclier plus vite. Donc on le fait tomber, on l'allume. Et là, il va perdre le bouclier bientôt, normalement. Voilà, et là, on va le frapper pour de vrai, le coup de hache. Et c'est là où on se rend compte qu'il a mis 3 coups de hache, mais tout le reste, c'était du coup de poing. No more whispering from him. Il ne proposera plus de rumeurs, tout est réglé. Et là, on doit choisir notre récompense. Donc, soit cristal de mana, soit ça, soit ça. On va prendre l'argent au début. On va avoir besoin d'argent, vous allez voir que ça tombe comme des mouches. Hein. Et après, on fait couler le temps. On a l'arène qui est redisponible, donc on peut se permettre. On peut faire un 3 contre 3, par exemple. Lui, il est là pour encaisser, et les autres sont là pour DPS. Allez, c'est parti. Oh, c'est là, ouais. C'est là où, quand on commence à apprécier les certains de nos soldats, ça peut être vite gênant. Parce que ça meurt vite, surtout quand il y a là, genre, ils avaient beaucoup de DPS, donc notre tank est tombé très très vite. Sans objet, ça meurt vite. C'est pour ça que c'est important d'avoir un peu de marge de manœuvre, et c'est comme ça que ça peut mal se passer. Donc, je vous enjoins à faire attention à tout ça. Marché au gladiateur, est-ce qu'on a un tank niveau 2? Les côtes pétées, c'est pas bien, ils fument. Ange gardien, pourquoi pas. Ouais, on va prendre l'ange gardien. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas un petit... Non, on n'a pas de... d'objets intéressants. Donc là, on a une petite mise à jour de la boutique. Augmente la force de 4 points, c'est fort. Ça vaudrait le coup pour Rasash, 105. Mais je préférerais avoir avoir un truc qui donne plus de points de vie. Ok. Aider à ressusciter les morts. Qu'est-ce qu'on a? Deux contre deux, un contre un. On va prendre la hache. Quatre points de force en plus. On va mettre des tartines, c'est très très bien. On va se faire un contre un. On va mettre Azash. Et il va venir nous dépop ça. En plus, il va pouvoir le faire tomber avec son coup de pied de temps en temps. Donc quand il fait tomber, ça lui permet de mettre un coup de hache supplémentaire. Sinon, quand il se rapproche trop près... Il est obligé de mettre ses coups de poing. Donc lui, c'est plus intéressant qu'il soit capable de mettre ses coups de hache. C'est ça qui fait le plus mal, tout simplement. 30 balles, on récupère tout. Et on a aidé à ressusciter les morts. Some half-wit peasants have blocked the graveyard, preventing my necromancers from performing their work. Ces deux nouveaux paysans ont bloqué l'accès au cimetière à cause d'eux. Mes nécromanciens ne peuvent pas faire leur travail. Je vous conjure de leur faire débarrasser le plancher. Donc ça va nous coûter 10 de relations avec les paysans, faut faire attention quand même à nos relations. Et là par exemple on a un plastron, 100 de santé en plus, un peu plus de vitesse, de l'argent. Donc on va le faire, et ça va être très bien. Le coup de fourche, 150, peuvent bloquer, et le petit coup de poing. On va se mettre à 3. Donc ce qu'on va faire... Vu qu'il ne faut pas les perdre au début, nos personnages, on va lui mettre la petite potion de 150 points de vie, ça permet d'encaisser un coup de fourche supplémentaire. On va se mettre comme ça. Lui va perdre un peu de temps, lui va se faire atomiser par ces deux-là, donc il va mourir assez vite, et on passera au deuxième après. Quand le chiffre est en vert de niveau, on l'a plus vérifié. J'aurais pas dû claquer, ah quoique, on n'était pas loin avec la potion. Quand le chiffre des niveaux est en vert, c'est-à-dire qu'ils ont un objet d'équipé. Donc on prend le plastron de cuir, on prend l'argent, et on est bon. Passage de niveau. Le passage de niveau, toujours pareil. 5 points d'amélioration, 1 point augmente la santé de 100, endurance 40, mouvement 2, force 2, agilité 2, intelligence 2. Et c'est là où vous commencez à réfléchir un peu à ces builds, si jamais vous voulez. Du genre, comme on a pu le voir, il met quand même pas mal de coups de poing. Le coup de poing, ça scale beaucoup plus sur l'agilité que sur la force.
Le coup de pied, c'est de l'agilité, c'est de l'agilité. La parade, c'est de l'agilité. Et là, bon, il y a le x13 en force qui est quand même titanesque. Mais l'agilité, globalement, est quand même assez intéressante pour les berserks. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre 2 points en force. Ça fait mal. On va faire très mal là-dessus. La plupart des ennemis au début ont allez, entre 350 et 500 points de vie. Donc 2 coups de hache, déjà la personne fera moins le malin. Et après on peut augmenter un peu la vie, je pense, et on va faire l'agilité. Et voilà, petit passage au niveau. On voit que le prix de notre berserk augmente, si jamais on veut le revendre ou alors si on le perd. Et notre chevalier, boum, des points de vie en plus. Et ça va être très bien. Donc on va faire passer un peu le temps. On a l'arène qui se rafraîchit. On a le rafraîchissement des différentes boutiques. Alors, là, au marché aux gladiateurs, on a énormément de promotions. Ça peut valoir le coup qu'on essaie de voir. Genre moins 40%. Pour elle, c'est quand même assez intéressant. Pas de paye. 120 balles. Permet d'avoir une archère niveau 1 qui soit décente. Et après, il faut essayer de voir les bonnes affaires, hein, tout simplement. Elle est intéressante, mais il faudrait qu'elle prenne du niveau un petit peu. On est à combien? On est à moitié d'expérience. Je compte pas la perdre, elle. C'est pas trop intéressant. La paye, toujours avant les tournois. Et après, on repart sur un autre cycle. Ouais, je pense qu'on peut rentrer ça. Donc, 3 gladiateurs, la difficulté va être à 1. Ça va être intéressant. Je me pose la question de difficulté, comment les calculer, ça sera intéressant de savoir ça. Allez, on va se faire ce petit combat-là pour le plaisir, bien sûr. C'est pas qu'on aide le nécromancien, mais on veut voir comment ça se comporte, tout ça. Là, le berserk qui va faire des trous. Hein. On va regarder un peu le coup de hache qu'il lui met à celui-là. Putain, ok, une petite flèche en plus et c'était fini. Bah voilà, ça rentre assez facilement. Quand vous arrivez à avoir un bon starter comme ça, les premières phases, vous allez passer sur le jeu. Va falloir se poser des questions sur les ennemis multiples ou les ennemis très très forts pour éviter de se faire sucrer une personne. Augmenter l'agilité de notre archère, on va prendre l'argent. Parfait, on augmente la précision, on augmente les dégâts. C'est ça qu'on veut. Hein. Un petit combat en 2 contre 2. Allez, pourquoi pas. Oh, putain, il fait tellement mal. Ça fait rêver de voir ces coups de hache comme ça. Là. Parfait. On va gagner 3 sous. Petite hache de bûcheron supplémentaire. On va pouvoir l'équiper sur le chevalier. On peut booster ses dégâts grâce à ça. Pas beaucoup, mais on booste un peu ses dégâts. Ou alors on booste les... Est-ce qu'on peut lui équiper ça? Ouais, elle fera encore plus mal. Allez, vas-y, on va lui mettre ça pour rigoler. Pour rigoler, bien sûr. Et on va lancer notre premier tournoi. Donc là, fidèle au grand nécromancien, c'est si jamais on veut avoir l'arc narratif qui est lié au grand nécromancien. On peut lui dire non. Et la fois d'après, ça sera l'un des deux autres qui nous proposera, et ainsi de suite. Comme ça vous permet de choisir votre arc narratif si vous avez déjà fait une des missions. Alors, on passe pas le tournoi. Le tournoi est au cimetière. Une fois qu'on aura fini le tournoi du cimetière, on débloquera un autre. Alors, on va aller au prochain combat. On a 3 vies. Si on perd 3 combats, on a échoué le tournoi, on a échoué le donjon. Il faudra qu'on se reprépare pour le mois suivant pour pouvoir être capable de le passer. Donc là, on choisit. Donc à chaque fois on aligne 3 personnes pour l'instant. Et là on a les gens qu'on doit affronter. Ok, il gagne de la force. Il a de la force celui-là. Il frappe pas très fort mais il a quand même de la force. On va essayer de se le faire parce que on gagne un peu plus de ressources normalement sur les cartes violettes que les cartes bleues ou les cartes vertes. Alors là, au même nombre de points de vie, le blocage du chevalier est beaucoup plus fort. Donc autant le mettre comme ça. Et là, on peut augmenter la vitesse si on le souhaite.
Bah voilà, petit passage de niveau sur notre archère. Ça fait plaisir. J'aime bien augmenter la précision assez vite pour avoir une précision proche de 100%. Histoire que ce soit un peu plus confortable. Prochain combat, qu'est-ce qu'on nous propose? Deux archers. Un niveau 3, lui on va l'éclater, c'est sûr. Je pense qu'on va essayer de se faire les archères toujours dans le même but d'avoir les récompenses les plus élevées possibles. Oh, on va perdre notre... voilà. On peut se faire surprendre. On vient de perdre deux gladiateurs. Juste sur un seul combat. C'est là où on voit que les combats peuvent vite partir en cacahuète. Mais bon, c'est la vie. Donc on en a perdu deux. Et là, on n'a pas accès à de nouveau si on le souhaite. Donc on va être obligé de se rendre pour pouvoir... parce qu'on va pas réussir à passer le donjon, ça veut dire. C'est pour ça que parfois, le fait de commencer le tournoi avec quelques personnes en réserve, une personne en réserve, ça peut permettre d'avoir cette flexibilité-là. Donc c'est bien que vous l'ayez vu, je pense. Et oui, si j'ai perdu, c'était pour vous le montrer. Lui, on va pas chercher à comprendre. Hein. C'est là-dessus qu'on le met. Il fait voir le prochain combat. On pourrait peut-être rentrer ça. Après, l'avantage, c'est qu'à 530, on peut recommencer un nouveau cycle. Ça prendra pas trop de temps de monter. Parce que là, si jamais j'étais tombé à que 30 ou 40 pièces d'or, là, ça devient compliqué vu qu'on n'a plus l'argent pour acheter quoi que ce soit. On est obligé de passer un calculable de tours pour pouvoir se relancer. Donc, c'est mieux de relancer. On va tenter là en 1 contre 2 juste pour voir à quoi ça ressemble, comment on se débrouille. J'aurais peut-être pu lui mettre une petite potion. Ouais. Et là on se rend compte, hein, c'est pas un DPS, hein, clairement pas. C'est clairement pas un DPS. Donc défaite. On va être obligé de se rendre parce qu'on n'a plus rien. On récupère nos récompenses quand même. Toujours intéressant. Et là on peut se relancer, c'est reparti pour un cycle. Dans un mois on a le cimetière qui va se redéclencher, on a l'arène qui continue de tourner et on repart pour la même rotation. On choisit nos gladiateurs, on peut peut-être aller à la boutique pour voir. Voilà, il y a un petit arc, il y a plein de petites choses. Pointe de flèche embrasée, les dégâts de projectiles sur les cibles brûlées augmentent de 30%. Alors ce qui est bien dans ce jeu, hein, les points positifs, beaucoup de types de gladiateurs différents. Des gladiateurs, on va dire génériques, des gladiateurs spéciaux liés aux trois factions. Des monstres, des trucs comme ça. Beaucoup d'objets, pas mal d'interactions entre les gladiateurs. Donc moi c'est un grand oui, hein, ce jeu. Si vous voulez vous faire plaisir et même vous creuser un peu la tête, je vous le recommande. Vous pouvez jouer de façon chill comme de façon beaucoup plus poussée. Là vous l'avez vu, hein, on est juste en difficile. Et au premier donjon, c'est possible de se faire péter la gueule. Parce que j'ai voulu économiser 4 sous et pas prendre de personnes. Là, j'aurais eu une archère en plus de mon, ou un autre orc en plus de mon chevalier. J'aurais été capable de passer les derniers combats, je pense. Difficilement, mais avec les consommables, on aurait peut-être pu rentrer quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si jamais ce genre de jeu vous plaît, n'hésitez pas à en redemander. Moi, je sais que j'en ai quand même quelques-uns sous le coude. Hein, ça peut toujours être faisable. Et c'était avec plaisir que je suis passé sur les jeux du Cygne. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt tout le monde. Bye bye!